Journal créatif de la semaine. Alors, on doit être au numéro 33. On doit être au numéro 33, je pense. Et bon. Alors, d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui sont arrivés sur la chaîne. Voilà, chaque jour, il y a de nouveaux abonnés. J'en suis très heureuse. Alors justement pour les nouveaux, je vais un peu expliquer le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc le journal créatif de la semaine, c'est-à-dire que je vous montre tout ce que j'ai pu faire dans la semaine au niveau créatif, voilà. Donc ça va être de la broderie, ça va être du tricot, du crochet, du diamond painting, de temps en temps du coloriage. Ou tout autre loisir créatif que j'aurais pu faire dans la semaine. Alors, d'abord, ouais, j'ai oublié par manque de temps. Cette semaine, j'ai eu deux rendez-vous administratifs. J'étais faire des radios et Chouchou avait son rendez-vous biannuel chez un spécialiste. Et puis les courses, hein, bien sûr, il faut bien qu'on mange quand même. Du coup, je voulais faire aujourd'hui le diamond painting. Enfin, j'avais prévu donc aujourd'hui samedi, de faire le diamond painting. Complètement oublié. J'ai complètement zappé de faire mon DP. Mea culpa, je suis désolée. Ça m'a fait tilt dans la tête à 7h du soir. Donc là, il était un peu tard pour que je le fasse, hein, parce qu'il était l'heure qu'on allait manger bientôt. Je ne sais pas comment ça se fait, mais alors je n'y ai pas pensé. Enfin, j'avais relevé les numéros de case que vous aviez mis dans vos commentaires. D'ailleurs, je suis désolée, hein, je n'ai pas fini de répondre à tout le monde, mais j'ai lu tous vos commentaires, mais je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Je suis très en retard dans les commentaires, je le sais. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois, je lis, hein, de toute façon. Oui, donc, j'avais relevé les numéros de cases et tout, mais à part ça, j'ai complètement zappé de faire mon DP. Alors là, je ne sais pas comment ça se fait. Alzheimer, peut-être, je commence à vieillir. Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai cette semaine. Du coup, cette semaine, vous n'aurez pas de cases à choisir, voilà. Je garde les numéros de cases que vous m'avez marqués la fois d'avant, voilà. Et si je peux, ben là, j'essaierai d'en faire un petit peu plus, voilà.
Sinon, à part ça, mon petit carnet, c'est lui que je cherchais. Mon petit carnet. Alors, bon, j'avais prévu beaucoup de choses, hein, bah, comme d'habitude, hein, de toute façon. Alors, j'avais d'abord mon petit challenge personnel que j'ai mis en place. Ça fait 2 semaines déjà, je pense, hein, je ne sais plus. De faire au moins 3000 croix sur la semaine. Voilà. Donc 3000, ça va, hein, c'est une bonne moyenne pour moi. Sinon, en broderie. Alors, comme d'habitude, j'avais prévu de travailler. Alors, excusez-moi si je baisse les yeux, mais je lis mon carnet en même temps. Hein. J'avais décidé de travailler alors sur mes pans royaux. Voilà, c'est un modèle de chez All Forest, un modèle payant. Mon boudin, donc ça, c'est un modèle gratuit de Sabine. Voilà, de poussière d'étoile. Mon dragon White Book, donc ça, c'est un modèle de chez Etsy, mais je ne sais plus vous dire le nom de la créatrice. Le colibri. Donc ça, c'est un sale que j'organise sur mon groupe avec une création de Sabine. Mon sale du Nouvel An. Voilà. Donc ça, c'est un pareil, c'est un sale que j'organise sur mon groupe qui est en route depuis le 1er janvier, sur le thème de l'automne ou de l'hiver. J'avais prévu de travailler. Bon, je ne veux pas dire à chaque fois j'ai prévu de travailler parce que ça va faire répète, répète, répète. Les hérons de chez Lanart, les hérons bleus de chez Lanart. Le jus de carotte de Lilypoint. Vous savez, ma bête noire. Le toast à l'œuf. Toast à l'œuf frit de Magic Needle. Ma grenouille de Sabine, donc de la boutique Poussière d'Étoiles, le sale mystère, toujours de Sabine, c'est le sale qu'elle a organisé dernièrement, qui est maintenant fini, mais moi je ne l'ai pas fini. Alors il y a beaucoup de sales, je m'en aperçois que j'ai beaucoup de sales. Il y en a un autre qui va bientôt se greffer, mais bon. Le sale que j'organise également sur mon groupe, Alice au pays des merveilles, c'est un modèle gratuit de chez All Forest. Mon sale, toujours organisé sur mon groupe, la maison météo. Voilà, donc ça fait déjà, il est en route depuis juillet, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est juillet. Il a commencer officiellement pour les températures le 1er janvier. Ma broderie estampée, donc ça c'est ma récréation du dimanche soir. Et ensuite il y avait les achats ED. Oui, je sais, je suis folle. Je suis folle. Mon achat ED du paysage. Avec toutes les petites maisons, les montagnes, tout ça. Vous avez pu voir cette semaine en vidéo que j'ai commencé mon HAED d'une japonaise. Voilà, la japonaise. Et là, ce n'est pas un HAED, mais c'est une grande broderie quand même, qu'on pourrait presque dire que c'est un HAED, parce que bon, c'est une couverture totale. C'est moi qui ai fait la grille par rapport à une image. Hein. C'est pas moi qui l'ai dessinée. J'ai pris une image gratuite et je l'ai transformée en grille. Voilà. Et donc ça, c'était la dame bleue steampunk. En broderie, c'est tout. Déjà pas mal. En tricot, ben, comme d'habitude, j'ai toujours le débardeur de chouchou, mon pull fil d'art et le pull camionneur. Et je devais avoir le DP, mais bon, je l'ai oublié. Alors, j'ai commencé à. Alors, c'est
ton prénom. Oui, les prénoms, c'est une horreur. C'est... Oh, bah zut, je veux absolument trouver le prénom. Aurélie. Pardonne-moi, j'ai eu un... Ça a bugué, là, dans ma tête. Oui, je fais un carnet de broderie déjà depuis un petit moment. Mais là, bon, il était mis un peu de côté depuis ces dernières semaines, même quelques mois. Et donc, j'ai vu que Aurélie, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle a ouvert une chaîne, c'est tout nouveau. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à aller lui rendre visite et à vous abonner. À montrer son carnet de broderie. Et du coup, ça m'a, je me dis, ah ben oui, c'est vrai, moi j'en ai un et il est un peu à l'abandon. Donc, je vais un peu l'arranger. Je vais le reprendre. Alors, j'en avais un autre avant. Mais bon, il ne me plaît pas du tout. Ça fait que là, j'avais commencé à remettre. Comment? J'avais commencé à remettre des broderies, mais il y a longtemps, dans ce nouveau carnet. Excusez-moi, je cherche toujours mes mots. D'ailleurs, je dois le remettre à jour encore. Hein, je n'ai pas tout dedans. Et tout n'est pas rempli. D'ailleurs, j'ai mis les images, mais j'ai pas rempli. Vous voyez, comme là, par exemple, j'ai mis l'image, mais je n'ai rien rempli à côté. C'est les fleurs, les 12 fleurs de l'année qui sont là. Donc ça, cette partie-là, je dois la refaire. Enfin, pas la refaire, la compléter. Voilà. Et puis on verra. Et ça m'a permis en même temps de retrouver que l'année dernière j'avais fait le challenge des 23 broderies. Alors on pouvait en faire 30 ou 31 ou 20, 23. Et moi j'avais choisi d'en faire 23 parce que c'était l'année 2023. Voilà. C'était le Stitch Mania. Donc on faisait au mois de mai. Mais cette année je ne pense pas. Pas que je vais le faire parce que c'est très chronophage. C'est très très chronophage. On choisit, vous voyez, comme j'avais fait ici pour le mois de mai. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez tout, mais j'avais choisi donc pour le mois de mai, on devait choisir une broderie par jour. Donc, je devais me choisir 23 broderies. Mais c'était vraiment très, très, très chronophage. Si vous voulez, il faudrait que l'on commence. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. On commence une nouvelle broderie chaque jour. Là, c'était impossible. Hein. Là, j'avais. Je voulais bien travailler sur 23 broderies, d'accord, mais qui étaient déjà commencées, mais je ne voulais pas en commencer 23 nouvelles. Ça, c'était pas possible. Et du coup, cette année, je ne pense pas. Bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, mais je ne pense pas participer au Stitch Mania. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il va être mis en place ou quoi, parce que bon, pour l'instant, j'en entends pas parler. Donc, on verra. Par contre, j'ai une de mes abonnées. Pardonne-moi, les prénoms, c'est vraiment très, très compliqué à retenir. Vous êtes trop nombreuses. Qui m'a parlé qu'il y avait un nouveau challenge qui allait se mettre en route. Bon, c'est pareil, hein, j'en sais rien. Je vais regarder pour voir un peu le détail. Par contre, ça y est, j'ai oublié le nom. Elle me l'a dit. Si je retrouve, je vous mettrai à l'écran.
C'est un challenge où on brode une sirène. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Mais bon, je verrai. Je verrai. Je ne sais même pas sur combien de temps ça dure ce challenge. Si vous, vous en avez entendu parler, bah, donnez-moi des détails si vous en avez. Mais bon, je ne suis pas sûre. Le genre de challenge comme ça, bah là, le Stitch Mania, je trouve que c'est très, très, très chronophage. Donc en plus j'avais mis bon j'avais choisi un hein, 23 broderies hein, mais j'en ai pas j'en avais fait enfin j'ai pas fini j'avais travaillé sur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sur 23 voyez donc mais bon donc j'ai tout ça pour vous dire que j'ai refait un peu, enfin j'ai continué mon carnet de broderie. Voilà. Alors le dernier, avant que je le reprenne, que j'avais mis, c'était celui-là. Vous voyez, vous rappelez la petite souris que j'ai offert à Chouchou. D'ailleurs, j'avais été très vite hein, pour le faire. Je l'avais commencé le 5 juillet et je l'avais terminé le 7 juillet. Ça, c'est un record chez moi. ah non, j'avais terminé par celui-là, par le Riolis. Mais c'est pareil, hein, il était très vite à faire. En 2-3 jours, il a été fait. Alors, j'ai recommencé. Voilà. Alors, les stickers en bas, c'est des stickers que j'avais eu sur AliExpress, je crois. Le livre, je ne sais plus si c'est à Sabine, je n'aurais pu dire. J'ai tellement de stickers que je ne sais plus. Voilà, donc là, j'avais mis mon Dragon White Book, le dragon avec le livre. Voilà. Je vais vous en reparler de celui-là. Ici, j'ai mis mon HAED, donc ça c'est le HAED, le paysage. Là, c'est le nouveau que je viens de commencer. Alors, c'est pour ça en plus, ils ne sont pas tellement dans l'ordre, mais bon, je m'en fiche un peu pour ça. Je remettrai, enfin, la suite reviendra dans l'ordre après. Le Mini Asian Fantasy, donc c'est celui que j'ai fait en vidéo et que j'ai commencé avec vous. Voilà. Ici, la fiche pour la grenouille. Donc, j'avais mis le stickers holographique de Sabine avec le modèle de la grenouille. À côté, j'ai fait le colibri. Voilà. Donc, c'est toujours de Sabine. Et pour l'instant, alors j'ai pas encore remis toutes mes broderies dedans, hein, c'est pour ça que je vais les faire un peu à la fois. Et j'ai préparé la page pour Madame Bleu Steampunk. Voilà, donc des petits stickers que j'avais en réserve. Voilà. Donc après, je vais remettre à jour les autres broderies. Je vais les remettre un petit peu à la fois dedans. Mais voilà, du coup. De voir Aurélie avoir préparé son carnet de broderie. Bah, écoutez, ça m'a donné l'envie de ressortir le mien et d'inscrire. Alors, il y en a qui vont dire, bah, ça sert à quoi? Bah, ça sert à garder en mémoire les ouvrages que vous avez faits. Donc, dedans, vous mettez le titre, la toile, la taille, le nombre de couleurs. Le créateur, la boutique où vous l'avez acheté, pourquoi pas, la toile où vous avez acheté la toile, la mesure de votre toile, la couleur, si vous avez envie de mettre combien cette broderie vous a coûté, c'est-à-dire pour la grille, pour la toile, pour les fils, etc., vous pouvez le mettre. Vous mettez la date quand vous l'avez commencé, quand là vous l'avez terminé, vous marquez quelle finition vous avez mis à cette broderie, voilà. Et donc ça vous fait une mémoire de vos broderies. Voilà.
ça, c'est fait. Alors, vous avez peut-être vu, alors il y aura une vidéo cette semaine, lundi ou mardi, je pense, car j'ai terminé une broderie. Alors, elle est terminée et encadrée. Oui, c'est mon dragon. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Il est terminé. C'est vrai qu'il m'a donné du fil à retordre, hein, vous vous rappelez. J'avais commencé sur une première toile. Mais je le faisais avec en format papier, pas avec mon pattern keeper parce que j'avais pas réussi à le mettre dedans. Et une abonnée m'a aidé à le mettre dans mon pattern keeper. Et du coup, j'ai recommencé sur une nouvelle toile. Et je regrette pas d'avoir choisi cette toile parce que ça ressort très très bien. Alors, bon, vous n'avez pas trop bien la couleur, mais c'est couleur sable, c'est un lama, donc il y a des petits reflets. C'est une toile que j'avais gagnée sur comment ça s'appelle, Instagram, voilà, avec la boutique Tom et Lily Création. J'avais gagné 3 ou 4 toiles et donc celle-ci en faisait partie. Voilà. Mais alors, quand j'ai fait mon dernier point arrière, j'ai fait ouf, enfin. Le point arrière, j'ai dû passer au moins 5 heures pour le faire. Ouais, au moins 5 heures pour le faire. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. Mais pour un résultat vraiment trop, trop beau. Voilà. Il est magnifique. Mais je suis super contente de l'avoir terminé. Et je voulais faire un grand merci particulier à une de mes abonnées et qui est amie avec moi sur Facebook, donc qui s'appelle Simone, car c'est elle qui m'avait offert la grille. Donc Simone, un gros bisou. Ça y est, t'as vu, je l'ai fait. Voilà. Mais il est trop, trop chou. Je l'aime beaucoup. Alors, pour l'instant, il trône à côté de ma télé. Je pense qu'il va rester là pour l'instant. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai encadré avec un cadre de chez Action. Voilà, vous voyez, le tour est noir. Et là, le tour est en bois naturel. Alors, c'est un rectangulaire. Ma broderie est, pour ainsi dire, carrée. Mais ce format-là, enfin ce style-là n'existait pas en carré. Donc j'ai fait avec du papier cartonné de chez Action. Vous savez, dans le carnet où il y a le papier noir, blanc et craft. J'ai pris une feuille cartonnée noire et j'ai fait les petits bords noirs pour. Alors il y en a un petit en haut et un petit en bas aussi. Mais on ne les voit pas beaucoup parce que là il y avait quoi 5 mm donc mais c'est pas très grave. Mais voilà, fini. Je suis contente. On va le mettre là pour pas faire tomber. Ensuite, par où je commence? J'en ai plein à mes pieds. Quand je vois le tas de broderies que j'ai là, c'est de pire en pire. Bon, je vais vous parler tout de suite de la steampunk, la dame bleue steampunk. Elle n'est pas encore commencée, mais ça devrait se faire cette semaine. Lundi, vous verrez avec les vidéos unboxing que j'ai reçu donc mon cuisinap rectangulaire puisqu'il m'en fallait un de toute façon pour cette broderie, donc je l'ai reçu et j'ai reçu, je vous avais dit également que la toile que je voulais utiliser pour faire cette broderie, je voulais utiliser l'étamine Easy Count que j'avais acheté dans la boutique de mère en fille.
Mais malheureusement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop juste. Voilà, la marge aurait été toute petite. Bon, j'ai une de mes abonnées, c'est une très bonne idée hein, qu'elle m'avait donnée. C'est vrai que je l'ai déjà fait pour d'autres. Comment? D'autres broderies. C'est de coudre un tissu tout autour qui va avec la broderie, tant qu'à faire. Et comme ça redonne de la marge supplémentaire. Quand vous avez une toile qui est trop étroite, que vous n'aurez pas beaucoup de marge, vous cousez un tissu tout autour, vous faites un cadre en tissu, voilà. Et c'est comme ça vous permet de gagner de la marge pour travailler votre broderie. Voilà. Et après, vous laissez le tissu si vous le souhaitez au moment de l'encadrement, hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai recommandé une toile toujours sur la boutique de mère en fille. Bon, là, il n'y avait pas de promo hein, cette fois-ci. J'ai. Voilà, vous voyez, ils mettent une petite carte comme ça de remerciement. Et là, j'ai pris exceptionnellement de l'Aïda. Bon, c'est pas je brode l'Aïda aussi, hein, mais j'ai pris de l'Aïda 8. Voilà, donc comme ça va être un travail quand même assez fin. Je vais la broder, quand même en deux fils. Et là, donc c'est une Aïda qui fait 1 mètre sur 1 mètre 10, je crois. J'ai plus la taille exacte, mais je crois que c'est ça. Hop. Donc voilà, là j'ai de quoi faire. Je peux faire plusieurs broderies dedans. Vous voyez, hop. Allez, encore, je déplie encore. Voilà. Et je déplie encore. Okay. C'est presque une nappe. Hein. Voilà, vous voyez. Là, j'ai de quoi faire. Maintenant, c'est bien d'avoir déplié, mais il faut que je replie. Donc, je vais préparer ma toile. Je vais préparer ma toile cette semaine. Les fils sont prêts. Les fils sont prêts. Je n'ai plus qu'à. Là, je vais la repasser parce qu'elle a quand même des plis, hein, vous voyez. Donc, je vais d'abord la repasser. Après, je ferai mon traçage pour la taille de ma broderie. Par contre, je ne ferai pas de quadrillage. Moi, je n'en fais jamais. Donc, je vais juste faire mon. Je vais marquer mon milieu, malgré que je ne commencerai pas au milieu, mais je vais marquer mon milieu et je vais marquer là où je vais commencer, moi, c'est-à-dire que je commence toujours en haut à gauche. Voilà. Et je couperai ma toile aux bonnes dimensions et je pourrai enfin commencer ma steampunk. Voilà. Hop. On va remettre dans le petit papier en attendant. Et je vous ferai très certainement une vidéo, si vous le souhaitez, de ma préparation. Hop, voilà. Allez, passons aux choses sérieuses. Donc, vous avez compris que la steampunk, du coup, a été prévue, mais je ne l'ai pas fait. Hein. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer après. Bon, je vais essayer de prendre en suivant. Hein. C'est peut-être pas dans l'ordre des jours de la semaine que j'ai travaillé, j'en ai. Alors, ça me fait un front, pas possible. Il faut que, si je peux, la semaine prochaine ou la semaine d'après, hop, on coupe tout. Coupez tout. Allez, alors je vais essayer de vous mettre le plus possible, comme d'habitude, les photos avant et je vous montre ce que j'ai fait. Même temps. Alors, celle-ci, c'est ma broderie du Bouddha. Voilà.
Alors, il avance, il prend forme, doucement mais sûrement. Donc ça, c'est le... Alors, je vais peut-être me mettre là pour que vous... Ma tête, c'est rien, elle sera cachée par l'image, certainement. C'est une broderie, enfin une grille de broderie qui est gratuite dans la boutique de Sabine, la boutique Poussière d'Étoiles. Voilà. Donc, il vous suffit d'aller sur sa boutique, de choisir une des grilles gratuites, parce qu'il y en a plusieurs, il doit y en avoir 6 ou 7, je crois. Vous faites comme si vous passiez une commande. Voilà, vous la mettez dans votre panier. Et arrive à la fin, bah, vous pourrez elle sera téléchargée, vous la recevrez. Voilà. Mais elle est très très belle. Alors, je rappelle que je la brode sur une toile. Alors, l'étamine, c'est ma toile de prédilection, hein, ça vous commencez à le savoir. Sur une étamine bleu ciel, voilà, que j'ai une 12,6 fil. C'est une toile que j'ai eue à la maison du canevas. Voilà. Mais il commence à bien prendre forme et je l'aime beaucoup. Bon, j'ai hâte qu'il se termine aussi, hein. De toute façon, j'ai hâte que toutes mes broderies se terminent. Pour en commencer d'autres. Hop, voilà. Je remets bien les fils pour pas que ça se coince. Ensuite. Oui, mais t'attendre un petit peu. Ça commence déjà à bouger. Vous avez compris, hein. Alors, celle-là, je sais que je l'ai fait aujourd'hui. Et je suis super contente parce que j'ai super bien avancé dessus. Ah, je ne vous ai pas dit le Bouddha, excusez-moi. Le Bouddha. J'ai fait 426 croix. En tout, il y a 3786 croix de fait et je suis arrivée à 29,44%. Voilà. J'avais oublié de vous le dire. Bon, malgré qu'il y a des personnes que ça leur plaît pas, j'ai des petits soucis sur mon groupe cette semaine, mais bon, moi ça va vite. Les histoires, je les arrête très très vite. Voilà. Ça me plaît. Il y a une personne à qui ça ne plaisait pas que je comptais mes points. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais bon, cette personne a relancé le truc encore cette semaine. Du coup, voilà. Ben, elle ne fait plus partie de mon groupe. Parce que nous, le groupe, c'est pour qu'il y ait une bonne entente. Et une autre aussi m'a fait une réflexion sur ma façon de broder. Je ne sais plus. Je ne sais plus les phrases, de toute façon, ça ne vaut pas le coup, mais cette personne m'a insultée. Donc là, ni une ni deux, hein, je n'ai pas cherché à comprendre. Au revoir. Je ne suis pas là pour me faire insulter. Surtout que je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne pense pas. Mais bon. Soit. J'en ai deux qui veulent déjà aller faire leur pipi. Bon, ben. J'arrive tout de suite. Moi, j'en ai pour 5 minutes avec eux, mais à vous, un dixième de seconde, je suis là. Vous voyez, ça a été tout de suite. Alors, je vous disais donc aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai fait qu'une seule broderie. Souvent, j'en fais minimum deux par jour. Des fois, j'arrive à en faire trois. Mais aujourd'hui, je n'en ai fait qu'une parce que bah, ce matin, j'ai été faire mes courses. Voilà. Et cet après-midi, j'ai eu la visite de mes petits-enfants, mon fils et ma belle-fille. Voilà. Donc, du coup, ben, mais je préfère avoir la visite de mes petits-enfants hein, que de broder. Alors, j'ai avancé, beaucoup avancé. Voilà. Oh, là, comme ça, je vois à l'écran, ça fait top, top, top.
J'ai avancé mes hérons bleus de chez Lanart. Voilà. Donc vous avez vu la photo avant et vous avez pu voir que j'ai vraiment bien avancé aujourd'hui. Bon, là, je n'ai pas, j'ai pas encore rebouché mes trous. Hein. Je vais le faire la prochaine fois. Mais là, j'avais vraiment envie d'avancer cette partie ici. Et elle a été très agréable à faire. Voilà, là, il n'y a pas un trou. J'ai tout fait. Et vous voyez que ici, hop, voilà, j'ai commencé le bec d'un des deux hérons. Voilà. Et ici, alors, je vais essayer de vous le montrer de près. On va essayer. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. Vous voyez, là, c'est de la croix. Et là, il y a de la demi-croix. Donc, cette partie ici va être faite en croix, bien sûr. Et il va y avoir beaucoup... Enfin, beaucoup. Il va y avoir une grande partie de demi-croix. Voilà. Donc, elles sont commencées... Vous voyez, là. Mais je ne voulais plus m'arrêter après. J'ai vraiment adoré la faire aujourd'hui. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Du coup, là, comme ça, maintenant, la voyant à l'écran, le rendu est vraiment très, 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 très beau. Encore plus beau que quand je le regarde comme ça. Bon, là, c'est parce que je vois là où il n'y a pas les croix, tout ça. Donc, mais à l'écran, c'est top. Ouais. Donc là, j'ai hâte de continuer. Bon, comme vous savez, je vous ai déjà expliqué, c'est une grande broderie hein, aussi. Donc, elle se fait pas non plus en un mois. Hein. J'ai pas la photo, mais d'ailleurs, de toute façon, je pense que je vous ai montré la photo. Au début, quand j'ai dit ce que j'allais faire, je vous la remettrai peut-être là. Alors, le héron, alors celle-là, je travaille sur papier parce qu'elle n'est pas dans mon pattern keeper. Et j'ai calculé que j'avais fait environ 500 croix. Peut-être un peu plus, mais pas moins. Voilà. Donc, j'avais fait 500 croix aujourd'hui. Voilà. Ensuite. Bon, allez, on continue en suivant. Hein. Alors, j'ai avancé un peu. Alors, c'est pareil, j'avais mis les croix. Voilà, j'ai fait environ 250, là, ici, sur celle-ci. C'est pareil, elle est... Je brode avec papier, pas sur Pattern Keeper, puisque là, c'est une grille papier. Voilà, tout simplement. Je suis en train de chercher où j'ai mis mon aiguille. Elle est là. Voilà, c'est mon toast à l'œuf frit. Alors, j'ai travaillé cette partie ici. Voilà, j'ai fait la deuxième tranche de concombre, la petite feuille là de salade ou je sais pas quoi. Et j'ai commencé aussi ici. Voilà. Donc, elle est très agréable à faire également. Bon, c'est sur une toile Aïda 5-5, hein, de 14 CT. Mais elle est vraiment top. Voilà. Je l'aime beaucoup. Hâte quand même qu'il se termine aussi. Je voudrais bien me mettre le challenge de la terminer cette semaine, mais bon, il y a encore quand même pas mal de travail dessus. Mais bon, on verra. On verra. On prend les paris. Donc voilà.
Allez. Bon, ça veut ou ça veut pas? Ah, voilà. Vous voyez, là, voilà. Et bon, là, je suis ici. Voilà. Vous voyez, j'étais ici. Bon, si je... Il y a encore du boulot, mais ça va, hein, c'est pas encore... On verra bien. On verra comment la semaine ira. Je vais mettre ça là. Hop. J'en ai partout. Ensuite... Alors là, bon, de toute façon, comme on dit, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Hein, ça, vous connaissez ça, cette expression-là. Le sale du colibri. Alors. Hop, hop. Voilà. Bon, j'ai quand même avancé. Hein, je ne vais pas dire que je n'ai pas avancé, mais j'ai avancé. Alors, le sale du colibri... ici, je l'ai fait mardi. Oui, j'ai quand même fait 446 croix dessus, donc soit 1458 de brodé, et je suis à 10,22%. Voilà mon colibri. Donc là, je suis arrivée dans les plumes, dans son ventre. Voilà. Bon, j'ai quand même encore des... Là, il y a encore une grosse fleur, je crois, qui vient ici. Là, toutes les plumes. Voilà. Mais bon. Alors, celle-ci est faite avec une toile d'étamine, mais 11 fils, exceptionnellement. C'est une toile que j'avais dans mon stock. Honteux, mais ça c'est à force de le mettre dans les pochettes, ça chiffonne. Exceptionnellement, oui, c'est du 11 fils, mais elle est très très agréable à broder. Donc elle est, vous voyez pas bien la couleur, mais elle est rose avec des reflets un peu comme si ça faisait des petits nuages blancs. Voilà. Donc j'ai fait quand même presque 446 croix. Donc voilà. Hop. Voilà. On va mettre là aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, ma bête noire, c'est-à-dire le jus de carotte, je n'ai pas voulu y toucher cette semaine. J'ai dit, je fais une pause, je vais la continuer. N'ayez crainte, je vais continuer ma carotte. Je vais la montrer pour ceux qui n'ont pas encore vu. Je ne la stoppe pas, hein, loin, pas du tout. Hein. De toute façon, j'arrive au bout, donc ce serait vraiment bête de ne pas la continuer. Mais j'ai besoin de faire une pause sur cette broderie. Voilà. J'ai besoin de faire une pause sur cette broderie. Vous comprenez pourquoi, de toute façon, parce que je suis avec le feuillage là. Moi, j'ai plus que ça, j'ai plus que le feuillage à faire. Mais là, j'ai saturé. J'ai complètement saturé. Et donc, au lieu de faire des bêtises, comme vous savez, il y a déjà des erreurs hein, dans le feuillage, et j'ai pas envie d'en faire plus. Enfin, on va essayer. Je préfère la mettre de côté et la reprendre. Même si c'est pas cette semaine, je la reprendrai la semaine prochaine. Mais j'ai besoin de faire une pause sur cette broderie pour mieux la reprendre et finir ce fameux feuillage. Voilà. Mais elle sera terminée, il n'y a pas de souci.
Mais j'avais besoin de faire cette pause sur celle-là parce que elle me sortait par les yeux. Et valait mieux faire ça, que je la mette de côté. Et d'ailleurs, il y en a certaines d'entre vous qui me l'avaient dit, hein, mets-la de côté, tu la reprends après. Mais ouais, c'est vrai, c'est ce que je préfère faire. Parce qu'après, sinon, je vais être écœurée. Et ça m'embêterait de ne pas la terminer. Arriver si loin dans la broderie, ça m'embêterait vraiment de ne pas la terminer. Ici, c'est quoi? Oui. Alors, ici, c'est le salle du Nouvel An. Alors, le salle du Nouvel An, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouveaux... Ah, j'ai fait des bêtises. Attendez, je ramasse. Hop là. Oh, que la terre est basse, mes aïeux. Voilà, Gaston Lagaffe, hein, c'est moi. Oui, le salle du Nouvel An, c'est un salle que j'organise sur mon groupe. J'en avais déjà fait un l'année dernière. C'est un salle qu'on commence le 1er de l'an, donc le 1er janvier. Il faut absolument commencer sa broderie le 1er janvier pour suivre la tradition des brodeuses qui dit qu'il faut commencer une toute nouvelle broderie le 1er janvier pour se porter chance toute l'année. Voilà. Donc, j'avais organisé ça. Cette année, c'était le thème automne ou hiver. On avait le choix. On pouvait prendre de l'estampé, on pouvait prendre du point compté. Bon, j'en ai qui ont pris des partiels quand même. Voilà, je ne suis pas difficile. On brode ce qu'on veut. La seule chose, c'était qu'il fallait respecter le thème. Voilà. Et j'avais mis une taille moyenne, genre 40-30. Mais bon, il y en a qui ont plus grand, il y en a qui ont un peu plus petit. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc ça, c'est ma troisième étape. C'est l'étape du mois de mars. Bon, à l'avance, hein. La fois dernière, j'avais pas fermé le carré, on va dire. Donc là, elle devrait aller rapide aussi à terminer cette étape. Bon, là, il me reste quoi, une semaine pour terminer l'étape. De toute façon, la fois dernière, à chaque fois, les étapes, je les termine le dernier jour du mois. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ça, c'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue, hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà. Donc normalement, je pense que pour le 31 mars, ça sera terminé. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de chez Riolis. Voilà. Donc elle se brode sur une Aïda 14CT 5-5. Et elle se brode avec des fils qui sont acryliques et laine. Voilà. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, moi, je suis dans la team que j'aime. Voilà. Ils sont très agréables à broder. Voilà. Alors, ensuite... Donc celle-là, je ne sais plus combien de points j'ai fait à peu près. Parce que celle-là, elle est faite sur papier aussi. Environ 353. Voilà. Bon. Je vais y arriver, vous croyez. Quelle bince. Ah, oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je fais des bêtises. Je fais des bêtises, je fais des bêtises. Oh là 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 là. Oups. Est-ce que je mets du washi tape pour pas abîmer mon patron? Mais tout s'était décollé. Voilà. Vous voyez, je délimite avec du washi.
Voilà, ça y est, c'est réparé. Allez, viens là, je te rangerai après. Ensuite, ça c'est quoi? Non. Non. ça. Je sais même plus ce que j'ai fait. Tika tika tika, aïe aïe aïe. Non. Alors, la maison météo, pas la maison météo, je vais vous la montrer après. Le salle de Alice au Pays des Merveilles, j'ai pas touché cette semaine. Mais de toute façon, j'avais terminé mon étape. Voilà. Donc, l'étape, j'ai demandé qu'on fasse environ 1000 croix par mois. Je dis environ parce que là, c'est pareil, c'est sur papier. Et c'est une broderie, enfin une grille de broderie que l'on ne peut pas du tout mettre sur Pattern Keeper. On n'a pas trouvé. Alors peut-être qu'il y en a qui ont réussi, mais moi et les personnes du groupe qui font le sale, qui ont Pattern Keeper, bah, on n'y est pas arrivé. Donc voilà, ça, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Je reprendrai pas cette semaine, mais je reprendrai la semaine prochaine celui-là. Voilà, puisque là mon étape du mois est faite. Bon, je pourrais continuer hein, et puis prendre de l'avance, mais non. Voilà, bon, je vais mettre tout là, je rangerai après. Avant de vous montrer la suite, je n'ai pas pu, enfin je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps, voilà, faire ma grenouille. Donc la grenouille, pareil, je vous la remonte pour ceux qui ne connaissent pas. La grenouille, c'est celle-ci, voilà, c'est une broderie de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc, celle-là, je n'y ai pas touché cette semaine. Souvent, en ce moment, c'est une semaine sur deux, la grenouille. Hop. Voilà. La carotte, je vous en ai parlé. Je n'ai pas fait le sale mystère. En plus que maintenant il est terminé, c'est vrai que je courais déjà pas avant, mais alors là je cours encore moins. Je me dis maintenant j'ai le temps. Donc ça voilà, et c'est ça le mystère, mais maintenant on connaît le motif, hein. C'est celui-là le motif, voilà. Donc là j'en suis toujours à l'étape 4. Donc il me reste que, bon, il me reste que 6 étapes à faire, hein, voilà. Donc ça, c'est pas fait. Alors celui-là, est-ce que j'avais fait mes 1000 croix, je sais plus. Non, j'ai pas fini mes 1000 croix du mois. Donc elles seront très certainement terminées cette semaine. Voilà. C'est le sale All Forest de chez Julia Roscocon. Voilà. Donc là, j'y ai pas touché cette semaine. Il me reste moins de 400 euros. Non, oh là là. Je fume pas un jour. Non, non. Il me reste 300 croix à faire pour terminer le mois. Donc ça va aller assez vite. Ça va me prendre 2 heures et ce sera fait. Voilà. Et encore. Donc ça, ce sera terminé cette semaine. Hop. La carotte, je l'ai montré. La grenouille, je vous l'ai montré. Donc ça, ça, le sale mystère, c'est bon. Donc c'est cela, j'y ai pas touché cette semaine, donc il y a 4 broderies que je n'ai pas touché cette semaine.
Alors, avant de vous montrer les grandes, est-ce que j'ai fait mon... Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus mes gens. Si, j'ai bossé dessus. Normalement, j'ai bossé dessus. Ben, je crois. J'ai pas marqué. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Bon, je sais plus. Voilà. Alors, j'ai fait ici. Donc ça, c'est ma broderie du dimanche soir, ma broderie estampée. Je vous montre le modèle en entier si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà. Donc ça, c'est une broderie qui va aller doucement, mais sûrement. Voilà. Elle n'est pas pressée. Donc, vous voyez, je vous avais montré hein, le dessin. De toute façon, le voilà. C'est que du bloc, de toute façon. Il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de points spéciaux. Donc, c'est vraiment de la broderie facile, sans prise de tête devant la télé. S'il fait bien clair, j'ai même pas besoin de la loupe. Voilà. Alors, je sais que cette semaine, on m'a demandé ben, où en est ton cheval. Alors, le cheval, c'est celui-là. J'ai pas sorti hein, la broderie. C'est vrai qu'il reste plus grand chose à faire dessus. Hein. Il faudrait que je me mette dessus un petit peu. Attendez, est-ce que je saute? Parce qu'elle est là derrière. Hop. Voilà, ça c'est mon sac avec mes broderies estampées qui sont commencées et pas finies, qu'il faudrait que je sorte un petit peu à la fois. Il faudrait que je me fasse un challenge sur mes estampés. Mais bon, alors mon cheval, il est où mon cheval? Le voilà. Oui, il faudrait que je me fasse un petit challenge sur mes estampés pour pouvoir les finir, ou tout au moins les continuer. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est celle qu'on me demandait si où j'en étais. Hop, voilà. Il est beau, hein. Pour un estampé, il est super beau. Hop, voilà. Alors, il ne reste plus grand-chose. Hein. Bon, ne faites pas gaffe au dos. Hein. Moi, je m'en fiche complètement du dos. Alors, il reste quand même des petits points par-ci, par-là à faire. Et sinon, vous voyez, il reste que ça là, en grande surface, on va dire. Et après, c'est des petits points à droite, à gauche. Là, dans le harnais n'est pas fini. Là, il y a des petits... Vous voyez, c'est blanc. Il y a 2-3 points là, à droite, à gauche. Voilà. Ouais, il faudrait que je me fasse un petit challenge. Pour pouvoir continuer la finir. En plus, celui-là, je l'aime beaucoup. Ce serait dommage que je la termine pas. Mais... je verrai. Je vous dis... pour peut-être voir pour préparer un challenge. Alors sur une, deux, trois broderies, il y en a une pour l'instant
Alors celle-là, je l'avais commencé, il y a, vous vous rappelez, c'était pareil, c'était ma broderie du dimanche soir. Et bah alors, il est où le fil? C'était ma broderie du dimanche soir. Et attendez, j'ai un problème. Voilà, ça y est. Et je l'ai laissé un peu de côté. D'ailleurs, je ne sais même pas où est passée l'aiguille. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose de fait. Mais voilà, vous voyez, bon, maintenant, je vous l'avais caché, hein, le dessin, mais bon, certains d'entre vous l'avaient peut-être déjà vu. Voilà. Donc, c'est impartiel, le fond ne se fait pas. Mais bon, c'est, je vous dis, il faudrait que... Alors... Il faudrait que je fais un bout, là il y en a quoi, 3, 4, avec, ouais j'en ai 4 avec, enfin j'en ai 5 en tout d'estomper, de commencer, mais ce sont toutes les 5 des grandes. Il y en a une que je ne sais pas si je la, pareil, je ne sais pas si je la finirai un jour, mais parce qu'elle est, il y a énormément de boulot dessus, vous voyez. Voilà ce qui a été fait, mais elle est très grande, hein. Ah là 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 là, elle est très très grande. Je ne sais pas si un jour elle sera terminée, celle-là, ou alors je me fais un challenge. J'ai 4-5 broderies donc estampées et je m'en fais une, enfin pas entière, mais je me fais des quelques croix sur sur chacune d'elles chaque semaine. Voilà, une broderie une semaine, une autre broderie une autre semaine. C'est comme celle-ci. Alors celle-ci, elle est très très belle. Bon, c'est une copie. Mais voilà, vous voyez déjà le résultat. Il est vraiment top, top, top. Il est trop, trop bon. Brodé avec du fil doré. Il y a des perles, tout. Et c'est la dame de Noël. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi, bah justement, comme vous n'avez pas pour le DP à me dire cette semaine, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un challenge? Que chaque semaine bah, je fais un bout de d'une de mes toiles estampées ou pas. Donc il y aurait le cheval, il y aurait la dame de Noël, il y a le cerf. Alors attendez, le cheval, la dame de Noël, le cerf, il y a les petits lapins. Et il y a l'égyptienne et son bébé léopard. Donc, ça, c'est le très, très grand. À voir. À votre avis. Maintenant, je vais vous montrer mes grands modèles. Voilà. Mes grandes broderies. Je les ai toutes là. Oui, normalement, c'est bon. Alors, celle-là, vous l'avez vue. Alors, je l'avais mis dans ce sac-là. Je ne sais pas si elle va rester dans ce sac-là, hein, mais pour l'instant, elle y est. Si vous avez regardé la vidéo de cette semaine, donc là, il n'y a que le début. Hein, vous n'en verrez pas plus. Vous ne verrez que ce qu'il y avait eu dans la vidéo. Voilà. C'est... mon nouveau HAED donc de la japonaise, donc là je vous mets le dessin en entier du coup. Voilà, c'est ce que j'avais commencé à faire en vidéo. Alors les HAED, je vais voir comment je vais faire. Je vous avais dit peut-être que je ferai un chaque semaine, puisqu'il y a le HAED de la japonaise, le HAED du paysage
Et il y aura après la steampunk. Donc faire une semaine là, une semaine l'autre, voilà. Peut-être avancer comme ça, je ne sais pas encore. Mais donc voilà, ça c'est le tout nouveau HAED. Bon, j'espère quand même vous montrer un peu plus la prochaine fois. Mais voilà. Donc ça, ce sont des broderies. ce sont des broderies qui vont durer longtemps, de toute façon. Alors, je disais en rigolant à ma belle-fille, je dis, je marquerai dans mon testament que tu hérites de mes HAED et que tu dois les terminer. Là là. Bon, j'espère quand même les finir avant. Ensuite. Allez, pose-toi là. Ici, dans mes grands sacs. Alors, dans celle-ci. J'ai d'abord, voilà, mes pans royaux. Voilà, donc j'ai avancé. Là, mes pans royaux, j'ai fait quoi? Ils sont où? Voilà, ils sont là. Bon, j'ai avancé minimum syndical puisque je dis que je veux faire à chaque fois par semaine un minimum de 250 croix par broderie. Là, j'en ai fait 252. J'en ai fait deux de plus quand même. je suis à 1835 croix et c'est-à-dire à 5,72%. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de chez All Forest. C'est un modèle payant. Vous pouvez l'acheter en PDF ou vous pouvez l'acheter en gris papier. Mais ça, c'est vaut mieux l'acheter en PDF. Ça vous coûte moins cher et vous n'avez pas de frais de port et vous avez votre grille tout de suite. Voilà. Alors, là, l'écran dirait que c'est fait en noir, mais c'est pas noir. Je la brode donc sur une toile vintage rose, donc marbrée. Une étamine 12,6 fils, voilà, c'est une toile que j'ai eu. Alors celle-ci je l'ai eu chez Univers Broderie, voilà, et je brode avec la référence DMC 550. Là je brode avec le vrai DMC, voilà. Voilà, je vous dis le vrai DMC parce que des fois j'ai des broderies que je brode avec les fils chinois. Voilà. Alors attendez, je vais la mettre sur le côté un petit peu. Pas bouger. Alors celle-ci, non, celle-ci, j'ai pas bougé cette semaine, mais je la remontre quand même pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà. C'est mon HAED du paysage, voilà. Bon, je suis toujours dans le ciel hein, pour l'instant. Mais ici, on va bientôt arriver dans une montagne où je ne sais plus quoi exactement. Alors, vous voyez, la toile est très grande. Hein. Donc, tout ça, ça va être brodé. Hein. Je vous le dis que je suis folle. Je suis complètement barjot. Complètement. Complètement à la masse, la Didite. Voilà. Mais bon, c'est du plaisir. Tant que je peux le faire, je le fais. Le jour que je pourrai plus, et ben, c'est tout, j'arrêterai. Hein. Broderie finie ou pas finie, bon, ben, je serai bien obligée d'arrêter. Hop. Voilà, je remets
va falloir que je reprenne des sacs comme ça parce que c'est bien pratique. Surtout pour les grands ouvrages. Alors, celle-ci, c'est à ma maison météo. Ma maison météo. Hop, il y a là. J'ai bien bossé dessus. Oui, je trouve que j'ai bien bossé. Voilà où elle en est. Alors, j'ai bien sûr fait mes températures de la semaine. Il me reste dimanche à faire. Alors là, vous voyez, on a une petite vitre jaune. On a eu un petit 20 degrés dans la semaine. Après, j'ai fait une, deux, trois, si je ne me trompe pas. J'ai fait les boiseries des trois fenêtres, je crois. Voilà. J'ai terminé l'entourage jaune de cette fenêtre-là. J'ai monté le... J'ai continué à monter le mur. J'ai fait ici, j'ai commencé deux fenêtres, là, voilà, en jaune. Donc, j'ai bien bossé dessus cette semaine. C'était pas mal. Pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir, je prends de plus en plus de plaisir à faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, cette broderie, c'est une création personnelle, c'est une création à moi que j'ai dessinée, que j'ai fait la grille. C'est une broderie qui est gratuite bien sûr et que l'on peut retrouver donc sur mon groupe. Voilà, donc si jamais vous voulez le faire, le prendre en cours de route, de toute façon vous avez toujours moyen de prendre ce style de broderie en cours de route si vous le souhaitez. Vous allez dans les historiques de météo et vous allez retrouver les températures des météos depuis le 1er janvier. Voilà. Et donc là, je vais continuer mes fenêtres, parce que j'aurais bien terminé toutes les fenêtres pour être tranquille. j'ai encore eu dans ma tête, ça boue souvent, ça. Des idées pour rajouter dessus, des idées de déco. Bon, mais ça, ce sera par la suite. Mais là, j'aurais terminé mes fenêtres. Finir de toutes les broder. Et comme ça, après, il me restera le toit à faire, mais tout en faisant mes températures. Voilà. De toute façon, je ne sais pas combien il me reste de fenêtres, mais il m'en reste pas tellement à faire. Là j'en ai, là il m'en manque, alors là j'en ai une, deux, trois, quatre, c'est ça je crois, je sais plus en bas si c'est quatre ou cinq, je n'ai même plus mon dessin, alors je ne sais même plus ce que j'ai dessiné, ouais c'est quatre, donc ce côté là c'est bon, là il en manque une, allez, ouais il en manque, non il en manque deux de ce côté là tout en bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il me reste 9 fenêtres à broder entièrement. Donc, jaune et boiserie marron. Et boiserie marron à faire, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une qui est comme le jaune est commencé. Voilà. Donc, vous voyez, 9 entière à broder et 6 à faire la boiserie uniquement et une qui est en train de se monter. Ça va. Ça va. Les fenêtres, ça devrait aller rapide. Et après, bon, le plus long, c'est le toit, je trouve. Ouais, c'est le toit. Et après, il y aura les petits décors à broder en bas, les fleurs, le chat, le parapluie. Mais ça, bon, je peux le faire un petit peu au fur et à mesure que je brode. Voilà.
Hop. Oh là 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 là. Bon, ça ira. Bah écoutez, là, je pense qu'on a fait le tour. J'ai juste, vous voyez là, il y a, oups, bon, là, voilà, une petite broderie, je vais vous la montrer. Elle est en train de sécher, bon, ça y est, elle est sèche, ouais, presque sèche. C'est une broderie que ma petite fille a fait, voilà, donc elle me l'a apportée tout à l'heure, bah, pour que je la finalise, voilà, je vais l'encadrer. Donc là, je l'ai lavé tout à l'heure. Demain, je pense que je la repasserai. Je vais la... Comment ? J'ai perdu mon mot. Ah bah mince ! La stabiliser, voilà, avec le tissu thermocollant. Et je ferai l'encadrement. Donc ça, c'est un modèle Dioy Sandé, voilà, fait en 14 CT. Et c'était donc une broderie estampée. Voilà. Ben, elle veut faire des petites comme ça en ce moment. Bon, elle est... Elle a, ah, j'ai oublié son âge. C'est pas bien. 15 ans, 16 ans. Ça va tellement vite, de toute façon, qu'au bout d'un moment, on ne sait plus compter. Elle est au lycée. Et du coup, maintenant, elle préfère faire des toutes petites comme ça. Bon, déjà, en étant au lycée, elle a beaucoup de boulot. Hein. Elle est pas... elle a moins de temps, elle. Mais bon, elle aime bien ces petites-là. Donc, ah, d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais dit, j'en ai des petites. Et j'ai pas pensé... bon, ça y est, je vous donnerai dans la semaine. Niveau broderie, bah, écoutez, moi, je crois que je vous ai tout dit en broderie. Là, comme d'habitude, je vais me faire juste une petite pause à moi. Mais nous, on se retrouve tout de suite. Je vais ranger les broderies parce que là, j'en ai plein autour des pieds. Je vais ranger ça et je vais aller boire mon petit verre parce que j'ai très soif, comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite pour la suite, c'est-à-dire le tricot et, le crochet. Me revoilà. Alors, maintenant, nous sommes dans la partie tricot et crochet. Cette semaine, alors je vais essayer de vous mettre ça rapidement. Comme je vous ai dit, ce matin, j'ai fait mes courses. Il y a à côté de mon supermarché, il y a le magasin de la presse. Donc, j'ai été voir, comme d'habitude, s'il y avait des nouveautés au niveau des revues de tricot, de crochet, et j'en ai trouvé deux. Enfin, il y en avait un peu plus, mais comme je vous ai dit, ce qui est pour bébé, enfant, ado, je les achète pas puisque il n'y a plus rien qui m'intéresse dedans. Donc ça sert à rien que, même si c'est pour vous le montrer, ça sert à rien que je les achète, que je dépense de l'argent pour des revues qui vont rester là. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je ne vous montre pas ces revues. Je reste donc sur les modèles adultes. Alors tout à l'heure j'ai hésité, il y avait un hors série, bon, je prendrai peut-être la semaine prochaine, je verrai, un hors série, mais là c'était pas sur, il y avait quelques vêtements dedans, mais c'était surtout sur des accessoires pour la maison, des choses comme ça. Mais du coup, j'avais hésité, puis je me suis dit, bon, je prendrai peut-être plus tard, on verra. Alors, je ne vous le montre pas en détail cette fois-ci, je vous montre juste les couvertures de ce que j'ai acheté. Et je vous ferai, comme d'habitude, une vidéo revue cette semaine pour vous montrer en détail ce qu'il y a dans ces nouvelles revues. Voilà. Alors là, c'est le Sandra. Alors, les Sandra, c'est très rare que j'en achète. Mais bon, là, c'était un spécial crochet. Donc, je l'ai pris. Et les tailles, en plus, sont assez grandes. Ça va du 36 au 50. Donc, s'il y a des objets, j'allais dire, s'il y a des modèles qui me plaisent,
dedans, eh bien, je pourrais les refaire puisque normalement, ça va, les tailles sont assez grandes. Voilà. Donc, le premier que je vous présenterai cette semaine, c'est celui-ci. Voilà. Le Sandra spécial avec 20 modèles en taille 36-50, succès au crochet. Voilà. Donc, ce sera un spécial crochet pour celui-ci. Et le deuxième, c'est un hors-série de Idéal Tricot. Voilà. Alors, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde avec mes anciens numéros. Ou alors, c'est parce que c'est hors-série, mais j'ai l'impression que le prix a augmenté. Je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo revue. Mais je crois, malheureusement, voilà, comme tout. Alors, celui-là, c'est un spécial tricot. C'est un spécial famille. Donc là, bah, du coup, il y a quand même des modèles enfants dedans. Mais ça va être des modèles, vous voyez, par exemple, sur la couverture, il y a le gilet pour le papa et le gilet pour le petit garçon. Voilà. Là, pareil, il y a le pull pour la maman, mais il y a également le pull pour la petite fille. Voilà, ça va être des modèles en duo. Voilà. Je ne l'ai même pas encore feuilleté, je vous dirai. Je n'ai même pas regardé. J'ai vu la couverture, je l'ai pris. Et voilà. Donc, il y a des choses très jolies, très acidulées. Pareil, des grandes tailles également. Ouais, il y a quand même pas mal de modèles d'enfants aussi dedans. Des jolies choses pour hommes, pour femmes. Pour très grande taille, du triple XL. Voilà, ça c'est bien. Non, il y a de jolies choses dedans. Voilà. Mais bon, je vous montrerai tout ça en détail cette semaine pour que vous puissiez découvrir. Bah, du coup, là, il y a de tout. C'est vraiment spécial famille. Donc, il y a les enfants, les bébés, les femmes, les hommes, les garçons, les filles. Il y a de tout. Voilà. Bon, bon, ça va. Je ne regrette pas quand même de l'avoir pris. Il y a quelques modèles qui me plaisent quand même. Ensuite. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai pu faire, vous savez que j'avais reçu un colis mystère que j'avais acheté chez Fil d'Art. Donc, j'ai eu plein de pelotes de laine, de fil, de coton, voilà. Et j'ai ce fil-là, voilà, le fil eucalyptus. Donc, c'est un fil un peu. C'est comme un ruban, vous voyez? Alors, attendez, hop, voilà. Vous voyez, c'est comme un ruban plat. C'est en. Alors, le. Ah, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Le tissu, c'est du lyocell. Voilà, ça s'appelle du lyocell. C'est 100% biodégradable, voilà, etc. Et j'ai 10 pelotes comme ça, et ben, j'ai envie de m'en servir hein, parce que voilà, je vais pas la laisser de côté. Et c'est un truc assez léger, donc je pense que pour le demi-saison, pour le printemps ou même l'été, des fois ben, il y a des journées qui sont un tout petit peu plus fraîches, ça peut arriver. Alors j'avais déjà trouvé un autre modèle, mais les deux modèles que j'avais trouvés, ils font 10 pelotes dans ma taille. Donc j'espère que c'est bon parce que je n'ai pas une pelote de plus. Là, j'ai vu ce modèle. Je vous montre. Voilà. J'ai vu ce modèle. Il me paraît pas mal. Donc j'espère que c'est bon, il me paraît un peu court, mais du coup que il se tricote, de toute façon il va se tricoter très vite,
parce que ça se tricote. Alors, pour les côtes, ça se tricote avec des aiguilles numéro 5. Et pour le corps, le jersey, ça se tricote en aiguille numéro 6. Voilà. Et là, c'est qu'est-ce qu'il préconisait là-dessus? Ouais, c'est ça, c'est du 6. Donc, c'est quelque chose qui va monter très vite et qui ne devrait pas manger beaucoup de fil, je pense. Alors, il y a un petit. Comment on va dire? L'épaule est faite avec une épaulette, voyez. Bon, il y a des petits trous-trous. Hein. Vous savez que moi, les trous-trous, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc ça devrait aller. Je sais qu'il faut, il y a une partie à faire en crochet. Alors, je pense que c'est le tour de. Oui, c'est ça, c'est l'encolure. Il faudra faire un tour de maille serrée. Bon, donc ça, il n'y a pas de problème. Et les épaules, c'est des pattes d'épaule qui se cousent entre le dos et le devant. Voilà. Il y a. Je ne sais pas si c'est des torsades ou pas, mais de toute façon, j'ai le diagramme du point fantaisie. Donc, vous voyez, ça m'a pas l'air compliqué. Hein. Ça, on verra. Mais j'ai bien envie de le commencer et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour l'instant, j'ai toujours pas repris mon pull camionneur. Je vais le reprendre, c'est sûr. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit, c'est vrai que là, je bloque avec le devant. J'ai complètement bloqué, j'ai bugué sur le devant carrément. Et c'est là que je n'arrive pas à reprendre, parce que je vous avais expliqué, à cause des augmentations qui sont dans le plastron, voilà. Donc comme elle m'a, mon abonné m'a dit que je laisse ça de côté, le devant de côté, et que j'attaque les manches. Voilà. Comme ça, si en ayant fait les manches, je sais qu'il me restera plus que la moitié du devant à faire, bah, la partie plastron et le col montant, puisque c'est un camionneur. Et ça me redonnera très certainement plus envie de me remettre dessus. Et je crois qu'elle n'a pas tort. Donc, si je le reprends, je le reprendrai, mais par les manches. Voilà, je ferai les manches. Et voilà. Ouais. Bon, entre deux, je vous dis, moi, j'ai pas de pull, de t-shirt, de choses comme ça. Enfin, quand je dis t-shirt, c'est pas le t-shirt comme ça, hein. Le t-shirt tricoté. J'en ai pas pour ici, pour le printemps, pour la demi-saison. J'en ai qu'un, c'est le coton que j'avais tricoté, vous vous rappelez, avec les rayures blanches et vertes. Bon, que je n'ai pas encore mis puisque je l'ai terminé au début d'hiver. Donc cette année, je vais le mettre. Mais je n'ai que celui-là. J'en avais un autre, mais que j'avais acheté à Lidl. Du coup, là, il commence à. Les trucs de Lidl, c'est bien, c'est pas cher. Hein, mais bon, au bout d'une paire de lavages, c'est plus top top. Donc j'ai envie de me faire ce petit pull. Donc avec ce fil et je vous dis ça va monter très très vite donc je pense que ça irait. Il n'y a pas de grosse difficulté j'ai l'impression bon à part les manches je vous dis les manches moi j'ai l'impression non c'est pas une torsade non, je croyais que c'était des torsades mais non ah non c'est le ouais c'est une manche ajourée. Ça devrait aller. J'essaye de vous le montrer. On la voit pas mieux. Hein. J'ai pas d'autres photos pour mieux vous le montrer. Je pense que ça devrait aller. Et puis, de toute façon, si je galère à faire des trous, je fais mes manches en jersey. En avant-guingant, c'est fait. Hein. Voilà. Je vais pas m'embêter. Ou je les fais en côte, pourquoi pas. Je peux les faire en côte
Et dans ce cas-là, l'épaulette, je la fais 100 jours. Je la fais pareil en jersey et puis c'est bon, hein, ou en côte. Donc, c'est un modèle qui devrait aller assez vite. Voilà, taille 50-52 et ils disent 10 pelotes. Donc, ça devrait le faire. Donc, voilà. On s'en reparle très, très rapidement, je pense. Parce que, bon, après, c'est pareil. Hein, j'ai pas mal de coton, de fil très fin pour faire des tops, tout ça. Et ça, c'est toutes des choses que je n'ai pas dans ma garde-robe. De toute façon, moi, ma garde-robe, je vous l'ai déjà expliqué. Hein, c'est rapide. Hein. Il y a un jean noir, un jean bleu. Aucune jupe, aucune robe, ça y a pas dans ma garde-robe, ça il n'y en a pas. J'ai encore mon costume de mariage, bon ça je rentre plus dedans, mais je l'ai encore. Sinon j'ai 3-4 t-shirts à petites manches, 2-3 à longues manches. 2-3 t-shirts, peut-être 4 même, vous savez, avec fine bretelle. Je dois avoir un, deux, trois chemisiers peut-être. Enfin, quand je dis chemisier, je m'entends, hein, c'est genre chemise large, des choses comme ça. Et ouais, c'est tout. Après, j'ai encore des trucs dans ma garde-robe, mais dans lesquels je ne rentre plus. Donc, même, il va falloir que je fasse un tri d'ailleurs pour enlever tout ça. Enfin, tout ça. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose. J'ai vraiment pas beaucoup de vêtements. En chaussures, c'est pareil. J'ai une paire de bottes que je n'ai même pas mis cette année. Il n'y a pas eu besoin. Une paire de mocassins d'hiver, une paire de mocassins d'été. Et je dois avoir, alors, je ne sais plus comment on appelle ça, là, des trucs très très plats là, que je ne mets pas parce que ça m'énerve. Je ne mets plus de talons. Mais être complètement à plat, je ne sais, je ne peux pas non plus. Donc ça, c'est un truc qui va partir pour la benne du relais, hein, pour les associations. Voilà. Et puis bon, les pulls que. Les pulls d'hiver, j'ai le col roulé que je me suis tricoté, ce gilet-là que j'ai tricoté aussi, un gros pull que je déteste, qui va aller aussi au relais, qui est presque neuf, que j'avais acheté, mais je l'ai en horreur. Donc ça, je vais le donner. Ouais, ben voilà. Le tour de ma garde-robe est fait. C'est pour ça aussi, quand même, vous me voyez souvent habillée pareil. Je ne suis pas du tout la fashion victime. Non, même maquillage, ça fait longtemps que je ne me maquille plus. Voilà. Bon, allez, on a fini de parler froufrou. Couverture météo 2024. Alors, je n'ai pas fait mon rang d'aujourd'hui. C'est pas grave, il sera fait demain. Donc, il n'y a pas de retard. C'est un rang qui sera. Oula, attention, viens là, toi. C'est un rang qui sera fait pendant que je ferai le montage de ma vidéo. Alors, je vais le plier parce que ce sera mieux pour vous montrer. Voilà. Donc, je vous rappelle, là, c'est 1er janvier. Voilà. Donc là, on a eu janvier. Le mois, c'est terminé. Donc, une ligne blanche. Février, voilà. Le mois, c'est terminé. Une ligne blanche. Et ici, on est au mois de mars. Voilà. Donc, j'ai encore une semaine à faire. Voilà. J'ai encore samedi, dimanche et une semaine. Et le mois de mars sera terminé et on refera une ligne blanche. Alors, il y a eu la ligne où j'ai eu
Voilà, elle est là, voilà. Vous voyez pas bien les couleurs, mais c'est un vert menthe clair. On était à 20 degrés et là c'est un vert plutôt un peu menthe aussi, mais plus foncé. Là on devait être à 15 degrés, je crois. Voilà. Donc elle se monte tout doucement, mais sûrement, vous voyez. Elle me va très très bien. Donc je vous rappelle comment je la fais. Au crochet, bien sûr, avec la laine Amigo. Donc c'est celle-ci, voilà, la laine Amigo de chez Obi. C'est une laine acrylique très douce, super pour à tricoter, à crocheter. Elle est vraiment nickel et elle est vraiment très très douce. Elle se tricote en 4 et au crochet vous pouvez faire du 4 et même du 5. Voilà. Donc là j'ai toutes mes couleurs. Je fais une semaine, alors 7 jours en maille serrée, 7 jours en bride, 7 jours en maille serrée, 7 jours en bride, 7 jours en maille serrée. Voilà. Celle de l'année dernière que je suis en train de terminer. Elle, je n'avais fait que des mailles serrées et en plus en aller-retour. Là, je ne fais qu'un seul rang par jour. Voilà. Oui. Voilà. Donc ça, c'est ma 2024. Ma pelote est par terre. Oh. Ah. Hop, Ali. Donc là, ça va, je n'ai pas de retard dessus, à part que j'ai pas fait aujourd'hui, mais ça, c'est pas grave. Ce sera fait demain. Voilà, donc pas de retard sur celle-là. Je ne veux pas de retard. Hop. Mais je pense que je n'ai rien fait cette semaine sur ma couverture de l'année dernière. Je ne sais plus. Bon, celle-là, elle commence à être un peu plus lourde. Hop. Alors, est-ce que j'ai fait... Ah, bah si, j'avais fait des rangs. Si, si, si. J'avais mis mon petit... marqueur. Donc voilà, pareil pour ceux qui n'ont jamais vu, la voilà. Et niveau largeur, donc les deux sont de la même largeur, hein. C'est 200 mailles toutes les deux. Voilà. Sais pas ce que vous voyez là parce que moi je vois plus. Donc là, je suis arrivée à peu près à la... Ouais, j'étais arrivée... Non, pas... Si, je suis arrivée à peu près à la mi-novembre. Mais j'ai refait quoi? Un, deux, trois... J'ai fait trois rangs. C'est pas énorme, hein, mais... Elle sera finie. Hein. Ce qui est... Le problème, c'est que dès le jour où j'ai j'ai pris du retard, c'était mort. Voilà, c'était mort. Ce qu'il faut, c'est ne pas prendre de retard. Alors, soit vous vous habituez à faire votre rang chaque jour. Voilà, j'ai calculé, ça prend un quart d'heure. Vous faites votre rang chaque jour. Vous pouvez le faire le matin, bah non, pas le matin, parce qu'il vous faut la température de midi. Si vous buvez le café l'après-midi, quand vous buvez votre café l'après-midi, hop, un quart d'heure et c'est fait. Soit vous faites aussi à la semaine, donc par exemple le dimanche, bah vous faites toute votre semaine, du lundi au dimanche. Voilà, mais il faut rester régulier. Moi, j'ai perdu le coche arrivé à un moment et bah, j'ai pu surattraper. Voilà, donc c'est pour ça que je suis encore dessus. Mais bon, elle va se terminer. Hein. Bon, par contre, elle devient embêtante à plier.
Voilà. Alors, vous voyez, celle-ci, hop, ce n'est que de la maille serrée. Voilà. Et là, c'est un rang aller, un rang retour. Voilà. Chaque jour. Donc, c'est pour ça, il me faut 2 rangs par jour. Donc, sur un mois, 30 jours, ben, j'ai 60 rangs à faire. Voilà. Et c'est comme ça que, ben, avec le retard que j'ai pris, ben, ça a été. Ça n'a pas été top. Ensuite, on en est où? Oh, ça va, 1h40. J'espère que ça va, hein, c'est pas trop long. Non, je sais que vous aimez les vidéos longues. Et je sais qu'il y en a qui regardent en plusieurs fois. Il y en a qui. Voilà. Alors, ici, j'ai fait un petit peu. Chouchou, un petit peu. Faut que je lui termine à lui aussi parce que c'est un pull qu'il va pouvoir peut-être bientôt mettre. Donc, il faudrait que je termine. Je suis toujours là. J'ai fait 4 ans. J'ai honte. J'ai honte. J'ai fait 4 ans. Voilà. Mais bon, ça avance. Donc, alors demain, en montant cette vidéo-là, alors, soit je vais faire celui-là, peut-être. Soit je fais la couverture météo de l'année dernière. En ayant fait mes 2 rangs, hein, j'aurai le rang de. Mon rang d'aujourd'hui plutôt à faire sur mon autre couverture. Ou soit j'attaque les manches du pull camionneur. Je sais pas. On verra mon humeur demain matin. Il va s'appeler Désiré, son pull. Alors, j'ai vu que j'avais pas mis le petit bouchon. Voilà, je l'ai mis en place là. Pour pas perdre mes mailles, des petits bouchons comme ça à aiguille que j'avais eu en cadeau chez Obi. Ils vont très très bien, je les aime bien. Ils sont tout simples, ça me suffit. Voilà. Alors ensuite, par contre, j'ai travaillé quand même parce que de temps en temps je bosse, hein. Je reste pas à rien faire. C'est tellement rare que je reste à rien faire. Je crois que pour que je ne fasse rien, il faut que je sois malade. Ouais. Mais bien malade. Hop. Alors. Voilà, d'ailleurs, après, je pense que je vous en ai parlé. Bah, mes radios, c'est pour mon genou. Et parce que j'ai très mal à mon genou, surtout un. Hein. Et donc on a déjà fait des radios, donc j'ai un épanchement, j'ai une usure. Et là on attend l'IRM. Mais bon, donc si vraiment c'est très usé, il y aura très certainement une opération. Et là ça va pas être top. Parce que bah, le lit en haut, ça ne sera pas possible. Donc, on verra ce que je ferai. J'ai ma loupe. M'installe un petit lit ici. Tranquille. Je ferai mes vidéos quand même dans mon lit. Pourquoi pas? voilà, le pull Filda. Donc, j'ai avancé un peu. Vous voyez, hop, ici. Donc j'avais fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 8. Une dizaine. J'ai fait une dizaine de rangs. Voilà. Donc ça c'est le devant. Hein. Voilà.
mais il avance. Et donc, ben, le pull camionneur, je vais vous le remontrer. Ah, ah, Gaston Lagaffe. Je suis en train de me rentrer l'aiguille dans le bras. Ah, oh, j'ai fait tomber l'aiguille. Je ramasse tout de suite. Voilà, j'ai ramassé mes bêtises. Donc, le pull camionneur, ben, j'en suis toujours là. Et j'ai toujours pas fait fini mon rang, là. Ça va s'abîmer. Ça va s'abîmer, Lilith. C'est pas bien. Donc, voilà. J'en suis toujours là. Vous voyez. Donc, là, c'est le milieu. Avec des côtes. Jersey en vert. Voilà. Et donc, c'est là que je suis arrivée où je dois faire mes augmentations dans le plastron. À chaque fois, je répète hein, dans les vidéos, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des nouveaux qui arrivent et ils se demanderaient qu'est-ce que je parle. Donc, comme j'avais dit, moi, je ferai les augmentations sur le côté. Voilà, on verra ce que ça donnera. Et là, je vais attaquer les manches. Comme ça, en prenant les manches maintenant, ben, ça va me changer. Je vais finir mon rang là quand même, hein, parce que c'est pas top ce que j'ai fait là. Je vais terminer mon rang et puis j'attaque les manches. Voilà. On verra peut-être qu'en terminant mon rang, ça va me faire continuer. Mais maintenant, l'hiver est terminé, donc c'est en plus, c'est bête parce que du coup, je ne pourrais pas le mettre tout de suite. J'étais bête sur ce coup là mais bon, que voulez-vous. Donc ça, c'est le pull camionneur. Oh, hop. Et je pense que là j'ai tout montré. Ouais, donc on va les remettre là dedans. Alors, il faudra, alors comme là, c'est des aiguilles 6, ah non, 6,5, donc ça va. Les aiguilles 6 ne sont pas prises pour commencer l'autre pull. Je sais, j'avais dit que je commencerais rien d'autre. J'avais dit que je commencerais rien tant que j'avais pas fini au moins un pull. J'avais dit, hein. Oui, je l'avais dit. Mais bon. Ce que je dis et ce que je fais, c'est deux choses différentes. Voilà, on va mettre ça là, je rangerai mieux après. Et j'en ai un qui veut aller faire encore son pipi. C'est ça, tu veux? Tu veux faire pipi? Oui, tu fais pipi où? Là-bas à la cour, dehors? Oui. Allez, j'arrive tout de suite. Voilà, ça y est, il a fait son petit pipi, il est content. Alors, bah écoutez, la semaine prochaine, on va prendre les mêmes et on recommence. Oula, il y a bougé. Hop, voilà. On va prendre les mêmes et on va recommencer. alors, je vais tout faire pour ne pas oublier le DP. Ne vous inquiétez pas, je suis vraiment désolée pour cette semaine. Je sais pas, un trou. alors, je ne vous ai pas dit, du coup, mon challenge 3000 croix, ben, je l'ai largement dépassé. J'ai fait pour presque 4000 croix cette semaine, voilà. C'est bien. Voilà. La semaine prochaine, bah, je vais faire comme d'habitude. Hein, non, tu le laisses, s'il te plaît. Je vais, à part les carottes, je vais encore laisser de côté une semaine ma broderie des carottes. Je la reprendrai bah, début avril. Voilà, je reprendrai ma broderie carottes début avril. Je vais essayer d'avancer sur... alors, du coup, le dragon, il n'est plus dans la liste. Voilà. Il y aura les pans royaux. Ça, alors, ça, c'est ce que je prévois.
c'est pas dit que c'est ce que je vais réussir à faire. Hein. Toujours avec une moyenne de 250 croix par ouvrage. Si j'en fais plus, tant mieux. Si j'en fais moins, bon, tant pis. Donc, les pans royaux de Holforeth, le Bouddha de Sabine, le colibri également. Donc là, le colibri, il faut que je termine mon étape. Voilà, donc là, j'ai pas le choix. Ben, si, j'ai le choix. Mais comme c'est moi qui organise le salle, ce serait bien que je sois à jour. Donc, le colibri. Pareil, mon salle du Nouvel An, je dois terminer mon étape également du mois. Les ronds bleus, ben, vous voyez que j'avais bien avancé. Donc, je pense que j'aime bien le faire le samedi, celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, j'aime bien le faire le samedi. Le toast à l'œuf. Alors, si je pouvais le terminer, ce serait top, mais ce n'est pas gagné. On va essayer. Ça me prend encore une broderie de fini. Ma grenouille, voilà, de Sabine. Le salle mystère. Ce serait bien hein, que j'avance quand même sur le salle mystère. N'est-ce pas, Sabine, hein, si tu passes par là. le Alice, non, puisque j'ai terminé mon étape de ce mois-ci. Donc, le Alice ne sera pas dans la liste cette semaine. Il y en a un que j'ai perdu, là. Il est où? Ah, ben, je ne l'avais même pas marqué, tiens. Le Holforeth de Julia. Donc là, ça va aller vite également. Il me reste 300 croix à faire, donc ça va aller très vite. Et ensuite, il y a les HAED. Alors, déjà, la Simpuck, voilà. Bon, je vous ai dit, c'est pas un HAED, la Simpuck, hein, mais bon, je considère comme un HAED, puisque c'est une couverture totale. Donc, celle-là, je vais la commencer, tout au moins. Il y aura la HAED paysage et la HAED japonaise. Alors, je verrai comment je vais... comment je vais faire pour ça. Et après, il y a l'estampé du dimanche. Alors, soit que je continue ma biche, là, mon cerf, ou soit que j'intervalle avec un autre, donc soit le cheval, soit la dame de Noël, je verrai. Mais dites-moi ce que vous voudriez que je fasse avec les estampés. En sachant que là, les estampés, je ne vais pas me mettre dessus sur les 5 toutes les semaines. Hein, ça, c'est pas possible. Et puis, l'estampé, je l'aime bien le dimanche soir. Cool. Ben là, je crois que j'ai fait le tour des broderies. Du coup, j'en ai pas oublié. Hein. Non. Non, c'est bon. Et donc, tricot. Alors, tricot, c'est ce que je vous dis. Bon, comme j'ai quand même avancé sur le fil d'art cette semaine, celui-là va peut-être être de côté cette semaine. La semaine qui arrive, je veux dire. Avancer sur le débardeur de chouchou. Attaquer les manches du pull camionneur. En sachant que moi, le tricot, je le fais le soir, hein, souvent. Et si je m'en sens le courage, commencer le petit pull demi-saison en fil eucalyptus. Mais celui-là ira vite. Hein. Et je vous dis, si je patauge avec les manches, je ne m'embête pas. Hein. Je fais des manches côtes, pourquoi pas. Où je fais des côtes et puis du jersey et puis voilà. Je m'embêterai pas. Si je vois que je coince, je chercherai pas. Donc voilà. Et puis bien sûr le DP. Voilà. Alors je fais toujours deux cases. Ben, j'essaierai d'en faire trois. Voilà. Donc je ferai le DP.
Et également mes couvertures météo. Alors, je vais voir si j'en si je fais. C'est pareil. L'épaule, elle me fait de plus en plus mal. Alors, quand je brode, ça devient difficile. Voilà, je vous parle d'un truc que je dis autre chose, je suis complètement paumée. La couverture météo, voilà. Je verrai demain si je fais pendant le montage de la vidéo. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je crois que on est bon, hein? Le principal, c'est que voilà, vous avez quand même vu une broderie terminée cette semaine. Ça, c'est pas mal. J'aime bien quand il y a une broderie terminée. Là, de toute façon, demain, c'est pareil, je vais encadrer la broderie de ma petite fille. Ça y est, c'est complètement sèche. J'ai une autre broderie à encadrer également. Je vous ai montré hein, que c'était ma belle-fille qui me l'avait fait. Donc pour moi, donc il faut que j'aille acheter le cadre, mais ça sera pas avant la semaine prochaine ou la semaine d'après encore. Ce sera plutôt la semaine d'après pour aller chercher un cadre. Ouais, niveau encadrement, c'est tout. Je pense que c'est tout. Chose que je ne vous ai pas montré, je vous ai toujours pas montré la broderie Blackwork que j'ai encadrée. Donc je vais vous faire très certainement une vidéo short. Voilà, je vais vous faire une vidéo short parce que là, bon, j'ai pas filmé. Hein, je sais plus si je l'ai filmée celle-là. Je sais plus. Je regarderai dans mon stock de vidéos parce que vous le savez, j'ai encore pas mal de vidéos à vous faire. Si j'ai fait la vidéo, je ferai le montage et comme ça vous l'aurez en vidéo normale. Si j'ai pas filmé, je vous ferai juste une vidéo short pour vous faire la présentation de ma broderie Blackwork que j'avais terminée et que j'ai encadrée. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à me l'avoir demandé. Mais à chaque fois, je l'oublie. Cette semaine, j'ai aussi, c'est ça que ça m'a pris du temps, mais je l'ai fait le soir surtout. J'ai bobiné les fils. Ah! Non, pas dans ce sens-là qu'il faut que je le montre. Voilà. J'ai bobiné des fils. Alors, il y en avait déjà hein, là qui étaient bobinés. Hop, voilà. Donc, il y a celui-là. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Alors, ils sont là, il y en a un de chaque couleur et ils sont en ordre numérique. Et là, hop. Alors ici, bon c'est pas grave, là du 1 au 35 mais en fil chinois et là je dois les bobiner mais là ce sont les du 1 au 35, enfin ils ne sont pas complets mais c'est pas grave, mais en DMC, voilà. Donc ceux-là vont prendre le même tiroir mais il va y avoir une séparation, voilà. Et en DMC, j'en ai encore aussi à bobiner, les vrais DMC. Mais je n'ai pas, pareil, je n'ai pas encore trouvé le temps. Ça, ce sont des DMC, une partie de mes vrais DMC. C'est juste une partie. Parce que j'en ai encore par là, des vrais DMC. Et après, bah, j'ai tous mes chinois à continuer à bobiner. J'en ai qui sont bobinés, qui sont dans mes tiroirs sur le bureau. Voilà. Bon, ça, je vous ferai peut-être une vidéo si vous le voulez. Pourquoi pas. Mais je vais encore attendre un petit peu, peut-être aussi, pour vous montrer
comment tout ce que j'aurais pu bobiner. Voilà. Mais je vais encore en faire dans la semaine. Je fais entre deux le soir ou alors quand j'arrête de broder. Souvent j'arrête de broder vers 4h, 4h30, 5h, vers 5h max, j'arrête de broder et je bobine quelques fils, voilà, et puis en attendant le souper, et après je fais du tricot, du crochet le soir, voilà. Donc, je vous montrerai ça aussi si vous le souhaitez. Bon, ben, vous savez quoi? On est à 2 heures de vidéo. Et vous n'avez pas eu de DP. Vous n'avez pas eu de DP. Allez, je vais quand même vous laisser maintenant parce que là, vous allez dire, c'est bon, Didi, on en a marre, tais-toi. Allez, donc, de toute façon, je vais vous laisser parce que là, il est passé 23 heures quand même. Bon, c'est pas encore mon heure du dodo, mais le temps d'aller mettre le pilou-pilou. Voilà. Ça y est, on les a dépassés les 2 heures. Donc, je vous laisse. Je vous abandonne. Mais que pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. Et je vous aime tous. Allez, gros bisous, à bientôt.